En 1902, la ville de Saint-Pierre en Martinique est détruite par une nuée ardente semblable à celle filmée sur le mont Unzen au Japon. La montagne Pelée est un volcan vieux de 300 000 ans, à l'air débonnaire. C'est en fait un monstre assoupi qui peut se réveiller brusquement, pulvériser une partie de ses flancs et libérer de redoutables nuées ardentes. Le 8 mai 1902, le temps d'un souffle, 28 000 morts, 40 navires envoyés par le fond. En 1902, Saint-Pierre est une grande et belle ville, une capitale culturelle où il fait bon vivre. Mais les habitants ignorent qu'ils vivent en fait sur une véritable bombe à retardement, car il y a du magma en fusion à plusieurs dizaines de kilomètres sous leurs pieds. Ce magma riche en gaz va bientôt monter, la pression augmenter et faire exploser le sommet de la montagne qui fait bouchon. La famille de mon mari a perdu 40 membres de sa famille. Personne n'est jamais arrivé à faire le deuil de Saint-Pierre. L'église du Fort, à mon avis, c'est l'endroit où on a la vision la plus parfaite aujourd'hui de la puissance de l'éruption volcanique. Quand on voit ces énormes morceaux de pierre, de murs qui ont été transportés à des mètres et des mètres de l'endroit où ils étaient posés, je trouve que c'est absolument hallucinant. C'est ici seulement qu'on a vraiment l'impression de la force du volcan. Saint-Pierre, la plus bizarre, la plus amusante et cependant la plus jolie de toutes les villes des Antilles françaises. Il y a là une population surprenante, fantastique, digne des mille et une nuits. Ce jugement de Lafcadio Hearn sur le Paris des Antilles résume bien le souvenir qu'a laissé le Saint-Pierre d'avant l'éruption de 1902. Ville riche et bigarrée, Saint-Pierre, avec ses 26 000 habitants, est un centre commercial très actif, un des ports les plus importants de l'Amérique centrale. Capitale économique de la Martinique et des îles sous le vent, sa prospérité repose sur la production du rhum. Elle est aussi la capitale du luxe et de la vie culturelle. C'est bien la perle des Antilles. Avec la catastrophe de 1902, une page se tourne pour la Martinique. La fin d'une époque, le destin de l'île tout entière sera marqué par la disparition de cette ville devenue mythique. Émilie Dujon habite avec les parents de son mari la propriété de la Grande Case, à 10 km au nord de la ville, dans la commune du Prêcheur. Le vendredi 25 avril, j'ai entendu un bruit violent, étrange, accompagné d'une forte secousse. Je suis restée un moment interdite, le cœur battant, ne sachant pas si c'était un tremblement de terre qui venait de m'effrayer à ce point. Quelques jours auparavant, revenant à la grande case après une semaine d'absence, j'avais trouvé toute l'argenterie couverte de taches semblables à l'acier bleu. En 1851, une petite éruption avait eu lieu. Mais ce phénomène n'ayant été que passager, la population avait vite oublié son émoi. Je crois même que l'éruption de 1851 avait laissé au fond des esprits une impression de sécurité absolue plutôt qu'un sentiment de crainte. Le 27 avril,
Une équipe d'excursionnistes se rend à la montagne Pelée pour essayer de voir par où s'échappent les colonnes de fumée apparues ces derniers jours. Ils font le récit de leurs observations dans le journal local Les Colonies. Quand nous nous trouvâmes au sommet de la Pelée, nous fûmes littéralement éblouis de surprise. Que l'on se représente une cuvette gigantesque, mesurant approximativement 800 mètres, le lac sur lequel flottait de la cendre noire balayée par un vent intense présentait l'aspect d'une mer de plomb fondu ou de vif argent. Malgré tous nos efforts, nous n'avons pu approcher du cratère. À ce moment, chez les Pierrotins, c'est plutôt la curiosité qui domine. En témoigne cette lettre, parue dans le journal Les Antilles, du 30 avril. Quand nous entendions parler de l'éruption de 1851, nous eussions voulu y être. Nous n'espérions jamais voir un événement de ce genre. Aussi, quelle n'a pas été notre surprise quand on vint nous dire que la montagne Pelée fumait. Nous prîmes tout d'abord la chose pour un poisson d'avril. Nous garderons cette cendre vomie par la gueule de notre volcan comme une relique. Cette cendre est pour nous un poème. Léon Sully, le directeur du journal pierrotin Les Antilles, voyant le réveil du volcan, envoie un télégramme au gouverneur. Celui-ci, raconte un témoin, parut très agacé. Un volcan par-dessus le marché? Comme si nous n'avions pas assez des élections. Voilà un volcan qui ferait bien d'attendre. En effet, le volcan s'est réveillé en pleine période électorale. En Martinique, les luttes pour le pouvoir prennent dans ces années-là un caractère violent. Les colons et les usiniers soutiennent la droite. Leur chef de file et candidat est un blanc créole, Fernand Clerc, maire de Trinité et directeur d'une romerie. La gauche, radicale socialiste, soutenue par les gens de couleur, a pour candidat à Saint-Pierre Louis Persin, un avocat, vice-président du Conseil général. D'accord. Au premier tour, le 27 avril, Fernand Clerc arrive en tête, mais son avance n'est pas considérable. La campagne pour le deuxième tour promet donc d'être fidèle à une tradition de violence verbale et d'excès. Qu'est-ce qu'on fait là? Madame, je vais faire, madame. Pourquoi je travaille pour candidat blanc? Madame, je vais faire, madame, je vais faire, madame. Hein? Décoller ça là. Je vais attirer rien là. Décoller ça là. Trop mal. À Saint-Pierre, on se préoccupait bien moins des troubles volcaniques que des élections. Dans l'après-midi, mon mari me proposa une promenade à cheval jusqu'à la rivière Blanche. J'avais très peur, mais j'acceptais quand même. D'abord, nos deux chevaux donnèrent quelques signes d'inquiétude. Leurs sabots s'enfonçaient dans la cendre. La mer, grise et terne, ajoutait une note lugubre à ce paysage de désolation. Pas un oiseau dans les arbres, partout un silence de mort. Le résultat de cette promenade fut de me terrifier complètement. Décembre tombe sur le prêcheur. À cette date, on est le 25 avril 1902, le magma est probablement en train de monter dans la montagne Pelée à la faveur de fractures, mais n'a pas atteint le sommet. Donc ces cendres ne proviennent pas de magma. Le processus est différent. L'eau qui imbibe le volcan est surchauffée par le magma profond, transformée en vapeur, donc augmente très fortement de volume, crée une forte surpression, comme dans une cocotte minute volcanique, et l'explosion pulvérise finement des roches de la Pelée en cendres fines, projeté en l'air, qui retombe sur le prêcheur. Ceci annonce un réveil de la montagne Pelée, mais cette phase est encore du même type que l'éruption précédente de 1851
qui était restée modérée et donc n'est pas encore trop alarmante. Le 3 mai au matin, lorsque mon mari alla ouvrir sa fenêtre, le nuage de cendres autour de la maison était si noir, si épais, qu'il voyait son ombre projetée sur la cendre comme sur un écran. La résolution de quitter Grande Case fut prise aussitôt. En costume d'intérieur, des rubans de mousseline protégeant nos yeux, des serviettes mouillées devant notre bouche, voilà comment nous nous sommes enfuis de chez nous. Mon Dieu, quel voyage! J'étais dans des transes mortelles durant tout le trajet. Mon crucifix à la main, je priais attendant la mort à chaque instant. Enfin, nous voilà à Saint-Pierre. La ville est animée, pas trop inquiète. Les pompiers avaient reçu l'ordre d'arroser les rues et les négresses en passant leur criaient « Allez donc éteindre la montagne Pelée avec vos pompes !» Un magistrat de Saint-Pierre, alarmé par l'épaisse couche de cendres qui a envahi la ville, envoie un télégramme aux autorités de Fort-de-France. Montagne Pelée en pleine éruption, danger immense, au nom population affolée, vous demande moyen transport pour évacuer la ville d'urgence. Le débat est lancé. Faut-il ou non évacuer la ville ? Fernand Clerc, le candidat de la droite, inquiet, est partisan de l'évacuation. Le maire, lui, pense que c'est inutile et impossible. Les odeurs de soufre sont bonnes pour la santé, aurait-il ajouté. L'idée qui domine est que Saint-Pierre est à l'abri. Les habitants se réfugient à Saint-Pierre car ils pensent qu'une grande ville avec beaucoup d'habitants, c'est plus sûr qu'une campagne où les gens sont isolés. Et en plus, les cendres ne retombaient que peu ou pas sur Saint-Pierre car elles étaient entraînées par les vents dominants sur le prêcheur. Et ce que redoutaient le plus les habitants, c'était les coulées de lave, c'est-à-dire un liquide qui coule selon la plus grande pente, qui est canalisé par une vallée, et justement Saint-Pierre est séparé de la rivière Blanche par plusieurs vallées qui constituent autant de remparts et de protections. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'une nuit ardente, c'est un fluide, donc constitué d'un gaz brûlant et de blocs en suspension, qui peut surmonter, traverser les obstacles, et même remonter à contre-pente. Donc, pensant être à l'abri, ces pauvres gens allaient dramatiquement à leur perte. Dans une lettre adressée à son frère qui habite Toulon, lettre qui n'arrivera qu'après sa mort, Roger Portel décrit ainsi l'arrivée de ces réfugiés à Saint-Pierre. C'est une déroute de gens effrayés, pêle-mêle, bizarres, de femmes, d'enfants, pieds nus, de paysannes aux petites nattes poudreurisées à leur insu, comme les marquises du XVIIe siècle. De grands gaillards noirs pliés sous les matelas pour la nuit prochaine. Tandis que de bonnes vieilles marmonnent d'interminables prières. Le gouverneur est arrivé de Fort-de-France. Je t'embrasse, mon très cher frère. Si je dois mourir, ne te désole pas trop. Édith du Château-Roger est novice au couvent de la Délivrande du Morne-Rouge. Ce jour-là, le curé exhorte ses paroissiens à la pénitence. À qui va s'adresser la prière ? Au Père, au Fils ou à l'Esprit ? À 9h eut lieu la grand-messe et dans un magnifique sermon, le Père Marie s'écria : « Le feu et la lave sont là, mes frères. Le feu et la lave. Dieu les tient suspendus au-dessus de vos têtes, prêt à les déverser sur vous si vous ne vous convertissez et ne faites pénitence. » L'herbe disparaît sous la cendre. Monsieur De Gênes, professeur au lycée de Saint-Pierre, s'en inquiète. On craint pour la vie des bœufs qui sont élevés presque à l'état sauvage. Si la cendre tombe encore 2 jours, le moins que nous puissions avoir, c'est la peste, causée par la décomposition du corps de ces animaux.
Nous sommes menacés d'être asphyxiés d'un moment à l'autre. On étend des draps mouillés devant les jalousies des fenêtres pour empêcher la cendre de pénétrer dans les maisons. Il est midi. L'accalmie continue. Nous nous reprenons à espérer. C'est égal, j'ai la poitrine comme dans un étau. Les habitants de Saint-Pierre sont très angoissés parce qu'un phénomène tellurique remet en cause la stabilité même du sol. Or, le sol, c'est l'endroit où on vit, où on habite, où on cultive son jardin. Donc, c'est extrêmement traumatisant de le voir instable. Les animaux aussi partagent cette angoisse. Ils sont très sensibles, encore plus que l'homme, à toutes les vibrations du sol, à toutes les odeurs anormales de l'atmosphère. Donc, à Saint-Pierre, hommes et animaux partagent la même angoisse. Pourquoi tous ces gens qui vivent dans l'angoisse et la peur ne quittent-ils pas Saint-Pierre? Qui allait partir? Dans les maisons, il y avait des vieux, il y avait des infirmes, il y avait des enfants, il y avait les domestiques. Qui part? Qui reste? Il n'y avait que 4 ou 5 places dans une voiture à chevaux. On partait à combien? Pour combien de temps? Quand on avait fermé sa maison, elle était envahie par les fuyards qui venaient piller, qui venaient voler. Il fallait quand même rester là. Et puis, on ne savait pas combien de temps ça allait durer. On a beaucoup dit que les Pierrotins n'avaient pas quitté la ville à cause des élections, que les responsables politiques les avaient empêchés de partir pour les forcer à voter. Des enquêtes récentes ont montré que cette thèse, exprimée sous cette forme, était fausse. Reste que la bataille pour les élections faisait rage et que le climat ambiant ne permettait pas d'analyser avec sérénité les dangers d'une éruption. Ce lundi, le volcan continue de cracher des cendres. Les rivières sont en crue. La rivière Blanche, entre Saint-Pierre et le Prêcheur, déborde et roule des eaux boueuses. La route entre les deux communes est coupée. Il y a à Saint-Pierre une vingtaine de distilleries de rhum agricole et industriel. L'usine Guérin est la principale usine centrale pour le traitement de la canne. Elle avait dû arrêter de travailler le vendredi, la cendre bloquant les rouages. Un groupe de curieux est là, devant l'usine, observant la descente d'un formidable torrent de boue charriant des gros rochers. Le père du directeur, le docteur Guérin, est là. Il a oublié son chapeau. Alors, il retourne vers la maison de son fils. C'est à cet oubli qu'il devra son salut. On m'avait téléphoné que l'usine était en danger. Je voulais immédiatement emmener ma famille et le personnel de l'usine. À 12h10, j'entends des cris. On donnait l'alarme. La montagne descend. Je regarde la montagne. Il en descendait en fracas. Une avalanche de matière noire. Une masse énorme, de plus de 10 mètres de hauteur et large d'au moins 150 mètres. Cette masse roulait contre l'usine. C'est un craquement. Tout est broyé, noyé, submergé. Mon fils, sa femme, 30 personnes de gros bâtiments sont emportées par les vagues de l'avalanche. Mon père était parti se baigner avec les élèves de sa classe à l'usine Guérin, où il y avait un chenal d'eau douce où on entreposait les chalands de canne. Et M. Guérin leur avait donné la permission de s'y baigner. Donc, ils sont partis par le tramway, qui a dû s'arrêter en chemin parce qu'il y avait trop de cendres, et ils ont continué la route à pied. Ils ont pris leur bain et ils sont rentrés déjeuner chez la tante où il était pensionnaire, chez qui il était pensionnaire. Il se mettait à table au moment où la voisine a fait irruption affolée en disant « Madame, madame, l'usine est détruite, il n'y a plus d'usine Guérin ». Tout le monde a été un peu éberlué. Et on a commencé à avoir peur. À ce moment-là, on a commencé à avoir peur, disait mon père. Ce 5 mai 1902, les gens n'ont pas rêvé. Ils ont effectivement assisté à un phénomène exceptionnel par son ampleur. Une coulée boueuse, un lahar, qui est un terme indonésien, qui a déferlé.
On se souvient par exemple, en 1985 en Colombie, que le volcan Nevado del Ruiz a émis de telles lahars, a entièrement recouvert la ville d'Armero et a fait 25 000 victimes. Un lahar, c'est un mélange d'eau et de matériaux d'origine volcanique, des cendres, des rochers, et comme l'ensemble est très lourd, il peut transporter des blocs d'une taille exceptionnelle. Bien sûr, les gens emportés ne peuvent pas résister. C'est une telle masse, une telle rapidité, 150 km/h, ils sont aspirés littéralement par les flots boueux. Alors d'où vient l'eau? Eh bien l'eau, elle vient à la fois de pluie, de condensation de gaz, de modification de nappe phréatique en profondeur, sûrement également de fuite de l'eau du cratère du sommet dans l'île de la rivière Blanche. Et alors ces 23 premières victimes en annoncent malheureusement beaucoup d'autres. Arrivant sur la mer, le lahar, la coulée de boue, provoque un raz-de-marée qui dévaste le port. C'est la panique. Les habitants du quartier du Mouillage se réfugient sur les hauteurs de la ville. Saint-Pierre était très fier de son éclairage urbain à l'électricité, le premier installé dans la région. Mais les turbines sont engorgées par les poussières, l'électricité est coupée, augmentant encore le désarroi des habitants. La cendre ne tombe plus, mais un grondement sourd et continu rappelle que le danger ne s'éloigne pas. Un siècle après la catastrophe, ma famille se considère comme rescapée de l'événement. En effet, ma mère avait 9 mois en mai 1902. Elle est née à Saint-Pierre. Son père était un riche négociant, un bijoutier, un blanc créole. Et ce bébé, qui se portait bien, pleurait beaucoup. D'où une gêne. Pour le papa et la maman, une gêne commerciale, bien sûr. Si bien que la grand-mère de ma mère, qui habitait le Saint-Esprit, a été en quelque sorte obligée de venir. Ma grand-mère a pris le bateau pour repartir avec un bébé dans les bras. 2 jours après, c'était la catastrophe. Gaston Land est professeur d'histoire naturelle au lycée de Saint-Pierre. Les Pierrotins lui font donc confiance pour évaluer scientifiquement les dangers courus par la ville. Il surveille l'évolution de l'éruption. La montagne Pelée était partiellement découverte ce matin. Nous avons vu rouler des blocs de lave incandescentes sur le côté du petit bonhomme. Quelques instants après, chute de nouvelles laves et blocs énormes venant du morne Lacroix. Les rougeoiements observés dans le cratère à partir de Saint-Pierre tôt le matin du 6 mai correspondent bien à une arrivée du magma en surface sous la forme d'un dôme de lave visqueuse dans la caldeira de l'étang sec. Le panache éruptif est moins haut et certains pensent à une accalmie, voire à un déclin, mais ils ont tort, car ce panache est plus sombre, plus dense, plus chargé, ce qui est alarmant. En fait, c'est le moment clé. Avec cette arrivée de magma, la montagne Pelée entre dans une phase nouvelle, dangereuse, dramatique, irréversible, qu'annoncent les nuits ardentes pour bientôt. Avec les connaissances actuelles, en ce jour du 6 mai 1902, en admettant que l'évacuation n'ait pas été faite, mais en fait elle l'aurait été, il faudrait mettre les sirènes immédiatement en route, évacuer les gens et leur dire partez immédiatement avec une simple valise. Le maire fait afficher dans les rues de la ville une proclamation qui dit notamment « La lave n'arrivera pas jusqu'à la ville. Ne vous laissez donc pas abattre par des paniques sans fondement. Reprenez vos occupations habituelles. » Quand le docteur Guérin a connaissance de cette proclamation, il s'en indigne. Il annonce sa décision de quitter Saint-Pierre le jour même. « Il vous arrivera malheur, » dit-il à des amis, «
qui l'ont accompagné jusqu'à son bateau. Dans l'article qu'il écrit pour le journal Les Colonies, Gaston Lande tient compte du danger des fleuves de boue. Il faut fuir le fond des vallées avoisinantes et habiter à une certaine hauteur pour éviter d'être submergé comme le furent Herculanum et Pompéi. Mais il ignore les autres dangers. Peut-être est-il sensible aussi aux recommandations du directeur du journal qui lui a demandé un article rassurant pour la population. Le Vésuve n'a jamais fait que de rares victimes. Pompéi fut évacuée à temps et l'on n'a trouvé que peu de cadavres dans les cités ensevelies. Conclusion. La montagne Pelée n'offre pas plus de danger pour les habitants de Saint-Pierre que le Vésuve pour ceux de Naples. Le lendemain, le journal Les Colonies reprend l'article de Gaston Lande en y ajoutant ses propres commentaires. Les migrations de Saint-Pierre continuent à se faire de plus en plus intenses, les vapeurs de la compagnie Girard ne désemplissent pas, la moyenne des voyageurs sur la ligne de Fort-de-France, qui était de 80 par jour, s'est élevée depuis 3 jours à 300. C'est une grossière erreur. Nous espérons que l'opinion formulée par M. Lande dans l'interview que nous publions convaincra les plus peureux. Nous avouons ne rien comprendre à cette panique. Où peut-on être mieux qu'à Saint-Pierre ? Il y a 25 ans, lorsque j'ai installé mes abeilles sur la montagne Pelée, j'ai pris le soin d'en laisser quelques-unes dans l'extrême sud, au cas où la montagne Pelée exploserait, afin de ne pas repartir à zéro. Avec le temps, nous nous sommes détendus. Nous avons trouvé que ce n'était pas grave et nous avons rapatrié nos ruches vers la montagne Pelée. J'ai acheté un terrain à quelques pas de l'usine Guérin. Et j'ai essayé de persuader mon vieux et sympathique vendeur de baisser son prix en lui disant que ce terrain était sous le feu direct de la montagne Pelée. Il aurait pu me dire qu'il a passé toute sa génération là, sans aucun risque, et que très probablement la mienne se passerait de la même façon, et que les prévisions scientifiques ne laissaient pas supposer une explosion imminente. Au lieu de cela, qu'il avait dans la tête, il a simplement fait ça. Il a levé les épaules. Et ce haussement d'épaules, je l'ai un petit peu acheté avec le terrain, je l'ai maintenant. Lorsqu'on parle de l'appeler, c'est ce que je fais. Et je pense que l'explosion n'est pas grave. Alors on peut me dire, qu'est-ce qu'il te faut de plus? 30 000 morts, est-ce que ça ne suffit pas comme ça? C'est pas ça la question. Je trouve que la tragédie, elle est dans notre sortie habituelle de la vie. Notre numéro n'est pas au point et nous finissons généralement pas brillamment. Et par conséquent, finir comme ça, d'un seul coup, transformer en cendre en quelques secondes, c'est pas plus mal. Le capitaine du bateau Orsolina déclare « Si le Vésuve fumait ainsi, on évacuerait Naples ». Il décide de partir avec 24 heures d'avance sur son programme, laissant en vide des passagers qui avaient retenu leur place. Deux gendarmes, qui étaient venus à bord pour signifier que leur Solina n'avait pas l'autorisation de quitter le port, partent avec le bateau qui lève l'ancre. Ils sont sauvés malgré eux. Tous les autres bateaux, sauf un, seront perdus. Une quarantaine d'épaves peuplent la baie de Saint-Pierre. Parmi elles, le Tamaya, un voilier armé par des marins bretons de l'île aux Moines. Raymond Crécaire était mousse sur le Tamaya et son petit-neveu, le commandant Hervé Crécaire, a plongé sur les épaves.
Ici, c'était naturel que le fils d'une famille fasse marin. Ce qui est sans doute arrivé à Raymond Cricker, qui s'est retrouvé à la montagne Pelée sur le Tamaya, on ne lui a sans doute pas laissé le choix. Son père a dû lui dire, je t'ai trouvé en embarquement comme mousse sur le Tamaya, bah, tu embarques maintenant. Quand il est décédé, il avait 16 ans. Donc l'acte de décès de mon grand-oncle, il est daté de 1908, alors qu'il a été perdu en 1902. Même en sachant que le Tamaya avait sombré en face de Saint-Pierre. Mais le corps n'ayant pas été retrouvé, il y avait doute. Et plusieurs familles d'Ile-aux-Moines sont restées comme ça dans l'interrogation pendant plusieurs années. Quand on voit en plongée la salle des machines d'un navire, on pense aux gens qui travaillaient là-dedans et qui, au moment du naufrage, ont essayé de sortir. Se sont peut-être mis à courir dans les escaliers, n'ont pas eu le temps d'arriver sur le pont et sont morts dans cette salle de machine transformée à ce moment-là en cimetière. C'est une mort qui doit être plus dure qu'un naufrage habituel. Ça doit être une mort plus dure que mourir sur le pont. Mourir sur le pont, c'est mourir à l'air, mourir en contact avec la mer. Mourir dans une salle des machines, c'est mourir dans une boîte. Vraisemblablement, les marins qui sont arrivés sur Rade de Saint-Pierre, ils ont regardé la montagne Pelée en éruption comme un spectacle, comme un joli spectacle. Et à aucun moment, ils n'ont pensé que 2 heures après, ils ne seraient plus là. À 10h du matin, ce 7 mai, veille de la catastrophe, le gouverneur nomme une commission chargée d'étudier les caractères de l'éruption volcanique de la montagne Pelée. Elle est composée de 2 officiers, d'un ingénieur des ponts et chaussées et de 2 professeurs de sciences naturelles du lycée de Saint-Pierre. Le gouverneur aurait demandé à cette commission de faire son travail scientifique, mais aussi de ne pas affoler inutilement la population. Sont choisies les personnes les plus compétentes sur place à l'époque. On connaissait très mal le volcanisme et encore moins les nuées ardentes. Il y avait eu certes l'éruption du Krakatoa en 1883, dramatique, mais seuls les scientifiques éminents en connaissaient les causes et les conséquences. Et donc la commission a dû faire pour le mieux possible, ou en tout cas pour le moins mal possible. La bonne foi n'est pas en cause car 4 des 5 membres de la commission sont morts par la nuée ardente. Et finalement, ils se sont trompés et on ne peut pas les en blâmer. Un magistrat, M. Sainte-Luce, constate un changement dans le comportement du volcan. Un peu avant midi, je regardais le volcan. Je vis ceci. Brusquement, la colonne de cendres et de vapeur qui avait baissé un court instant remonte plus haut que jamais. Aussitôt, une traînée de vapeur blanche se dirige dans la direction de Saint-Pierre. Puis elle bifurque brusquement vers la mer par la vallée de la rivière Blanche. Ce sont les premières nuées ardentes, phénomène nouveau et grave dont l'importance est passée totalement inaperçue, car très peu connue à l'époque. Georges Hébert est enseigne de vaisseau sur le bateau Le Suchet. À peine débarqué, je me rends compte qu'une grande tristesse règne dans la ville. On éprouve d'emblée un malaise angoissant. L'atmosphère est étouffante. Une cendre fine tombe et s'infiltre partout. Je vais tout droit au marché du fort où se trouve toujours un grand nombre de femmes. Je connais la sagacité, l'instinct quelque peu divinatoire de cette population féminine qui exerce tant d'influence dans la vie créole. Mais plus de rire, ni de propos joyeux. Partout où je m'adresse, ce sont les mêmes propos.
Le volcan bout de plus en plus, il va nous tuer tous. J'apprends des choses troublantes. Les animaux qui le peuvent se sont déjà enfuis. Les bestiaux dans les prés clôturés meuglent sans discontinuer. On dit que le boa du jardin botanique a brisé sa cage et s'en est allé. Dans l'après-midi, le gouverneur arrive à Saint-Pierre avec sa femme pour bien indiquer à la population de Saint-Pierre qu'il n'y a pas de danger. Il réunit la commission scientifique qui rend public un communiqué qui conclut, une fois de plus après celui du maire, que la sécurité de Saint-Pierre reste entière. Gaston Land n'est sans doute pas d'accord avec ce texte. Le soir même, il envoie un télégramme à Fort-de-France pour manifester son inquiétude. Le lendemain, il se trouvera en bordure de la nuée ardente, atrocement brûlé. Il agonisera pendant 4 heures. La commission scientifique qui s'est rendue à Saint-Pierre rend publique ses conclusions. Celles-ci sont très discutables. Quand ils prétendent que tout est normal, c'est faux. Déjà, un dôme de magma est en train de croître dans le cratère. Quand ils prétendent que celui-ci est largement ouvert, c'est faux aussi. Au contraire, sa fermeture va créer une forte surpression à l'origine d'une explosion majeure qui va créer la nuit ardente du lendemain. Peut-être cette commission a-t-elle été non pas manipulée, mais poussée par les autorités qui souhaitaient calmer et rassurer la population. Quoi qu'il en soit, cette commission est venue à Saint-Pierre sur place affronter la dure réalité. Dans la nuit, des orages accompagnés de trombes d'eau dévastent plusieurs localités. Une énorme coulée de boue provoque la mort de 400 personnes aux prêcheurs. Au couvent des Sœurs de la Délivrande, c'est la panique. Un vrai tremblement de terre ébranle toute la maison. Des éclairs zigzagent sur un ciel noir, comme 1000 foudres aveuglantes. En un clin d'œil, tout le monde se rend à la chapelle. On y prie les bras en croix. On récite le rosaire en attendant la mort. Elle est là, nous environnant. L'atmosphère se charge de plus en plus de fluide électrique. Des étincelles jaillissent de nos reins. En ce matin de l'Ascension, l'air est pur et la cité a repris des couleurs. Pendant la nuit, un orage a nettoyé les toits et les pavés des rues. Tout semble annoncer une journée splendide. Les cloches de la cathédrale appellent les pierrotins à la messe de ce jour de fête. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Fernand Clerc et sa famille décident, eux, de quitter Saint-Pierre. Ils partent à l'aube. Plus tard, il déclarera que les responsables auraient dû faire évacuer la ville. En tout cas, c'est ce que lui aurait fait. J'aurais fait pour les autres familles ce que j'ai fait pour la mienne. J'ai installé les miens en dehors de la zone en danger au Parnasse. Il fallait être fou pour rester en bas. Ceux qui prétendent qu'on ignorait absolument le danger jusqu'au dernier moment, ceux-là mentent. Théodore Célestin, photographe de Saint-Pierre, à qui l'on doit la dernière photographie de la ville avant sa destruction, s'est réfugié sur les hauteurs. À 7h30, je vois s'élever du volcan une colonne de vapeur, à la verticale et à une grande hauteur, dans un ciel bleu d'une pureté parfaite. L'aspect de la montagne change subitement. L'on dirait qu'elle est tout en mouvement. Des panaches de fumée s'élèvent dans les airs. Nous sommes perdus. C'est la montagne qui s'écroule. C'est une avalanche, un énorme rideau de fumée noire, illuminé par des milliers d'éclairs qui se précipitent vers nous. À Fort-de-France, un employé des postes parle avec un collègue de Saint-Pierre. J'étais en communication avec un ami de Saint-Pierre et au moment où il terminait sa phrase, des nuages couvrent la ville. Il fait nuit noire. Allô? J'entendis un cri épouvantable, suivi d'un autre cri, moins fort, comme un râle étouffé. Puis, le silence. Émilie Dujon s'était réfugiée avec les siens près de la commune du Carbet à Bourgard, à 2 km au sud de Saint-Pierre. 2 km qui vont faire la différence et les sauver. Nous sommes une vingtaine, fuyant à travers les champs de canne, affolés, terrifiés, aveuglés par la cendre. Une pluie de pierres, de gouttières et fétides tombe sur nous. Haletant, livide, les vêtements et la figure noircis par la boue et la cendre, les pieds déchirés. Nous nous arrêtons dans la première maison que nous rencontrons.
Sur la cité, la main de Dieu s'est appesantie. La nuée ardente a un pouvoir destructeur énorme. Il faut imaginer ces énormes quantités de gaz et de blocs qui dévalent les flancs du volcan et déferlent sur Saint-Pierre. Seuls quelques murs orientés dans le sens de l'écoulement de la nuée sont préservés. Les gaz de la nuée ardente, à plusieurs centaines de degrés, enflamment spontanément tous les matériaux combustibles, le bois et bien sûr les romeries. Se déclare alors un gigantesque incendie qui achève de brûler Saint-Pierre. La température est encore plus forte, jusqu'à 1000 degrés, et à ce moment-là, les métaux et les verres commencent à se ramollir. Les habitants de Saint-Pierre sont tués sur le coup, ils ont à peine le temps de se rendre compte de ce qui leur arrive, et ensuite leurs corps sont ensevelis ou bien calcinés par les températures infernales. De tous les navires dans la rade de Saint-Pierre, un seul parvient à quitter le port parce que ses moteurs sont encore sous pression. C'est le Rodham, commandé par le capitaine Freeman. Lorsque la colonne de feu s'abattit sur la cité, une immense clameur s'éleva. Cri de désespoir et d'angoisse qui semblait être la plainte suprême de l'agonie d'un peuple. Une foule nombreuse se précipita vers le rivage. Certaines arrivèrent jusque sur les bords de la mer, où ils pensaient trouver le salut. Mais les flots étaient devenus bouillants. Les pauvres victimes furent brûlées avant même d'être noyées. Le capitaine Freeman, tenant la barre avec ses coudes, car ses mains étaient brûlées jusqu'à l'os, parvint à mener le Rodham jusqu'à Sainte-Lucie, un vaisseau fantôme, couvert de cendres, chargé de morts. Les témoins voient cette monstrueuse nuée ardente, ces énormes volutes qui déferlent sur les flancs du volcan. Mais ce phénomène est précédé par un autre, autrement plus meurtrier et destructeur, c'est l'onde de choc. Elle est invisible, mais certains témoins ont cru voir l'air vibrer. Après la rupture du bouchon au sommet, les matériaux magmatiques qui étaient fortement comprimés sont brusquement libérés, ils repoussent l'air devant eux, et cette surpression se transmet de proche en proche à une vitesse phénoménale. L'onde dévale le flanc, atteint Saint-Pierre en 30 à 40 secondes, soit une vitesse de 700 km/h, alors que la nuée ardente arrive 1 minute 30 après. Les êtres humains ne peuvent pas résister à cet effet écrasant. Les corps brutalement comprimés puis déprimés éclatent littéralement. C'est la mort immédiate. Très rapidement, des secours arrivent par bateau sur Saint-Pierre. Paul Mirville, seul rescapé de la commission scientifique, est sur le Suchet. Nous découvrîmes cet horrible spectacle que je n'oublierai jamais. Toute la ville de Saint-Pierre était embrasée et formait un foyer colossal de 4 km de long. Sur la rade, si remplie d'ordinaires de navires de toute nationalité, plus rien que des carcasses de bateaux qui achevaient de brûler. Notre petite vapeur flottait au milieu de cadavres à demi carbonisés. Nous n'aperçûmes aucun être vivant. La chaleur était intolérable. Un détachement est chargé de récupérer les lingots de la banque de Saint-Pierre. L'officier d'infanterie coloniale qu'il commande écrit à sa sœur. Je n'ose te donner des détails. Tout ce que tu imagineras de plus horrible est au-dessous de la réalité. J'ai vu, et mes yeux se sont révoltés d'horreur. Dans une maison, contre la porte gisent 9 cadavres, étendus dans des poses effrayantes. Leur tête à tous a éclaté. Dans une chaise est assis encore un vieillard qui, lui, me regarde d'un regard atroce. Il a le ventre ouvert. C'est affreux. Le docteur Lherminier, des troupes coloniales, fait partie de ceux qui ont charge d'enterrer, ou plutôt d'incinérer les cadavres. Les cadavres du quartier du Mouillage sont méconnaissables. On ne peut voir s'ils sont de blanc ou de noir. Les sexes sont respectés. Beaucoup de femmes, celles que l'on devine jeunes, ont les seins intacts. Tous les cadavres sont nus, scalpés, épilés. Et chez beaucoup, l'abdomen a éclaté, et les intestins saillent, non brûlés. En fait, suivant les quartiers, le drame s'est passé de manière différente. En bordure de la nuée ardente, les pierrotins ont pu essayer d'échapper à la mort. Par contre, au centre de la nuée, il n'y a plus rien.
Même les cadavres ont complètement disparu. Il y aura deux survivants. Un cordonnier, Léon Compère, protégé dans sa maison située dans le secteur le moins touché de la ville, et un prisonnier nommé Siparis, sauvé par l'épaisseur des murs du cachot où il avait été enfermé. Il a raconté au père Marie comment il avait survécu. Il était 8 heures quand tout à coup, un bruit épouvantable se fit entendre. Tout le monde criait « Au secours, je brûle, je meurs !» Au bout de 5 minutes, personne ne criait plus, excepté moi. Lorsqu'une fumée se précipita avec violence par la petite fenêtre de ma porte, cette fumée brûlait tellement que pendant un quart d'heure, je sautais à droite, à gauche, en l'air, tout partout pour l'éviter. Après un quart d'heure, c'est un silence affreux. C'est au bout de 4 jours et 3 nuits que 3 hommes du Morne Rouge qui passaient dans les parages entendirent ces plaintes. Siparis avait des vêtements intacts, mais il était gravement brûlé. Plus tard, il sera engagé par le cirque Barnum et exhibé comme le seul objet vivant ayant survécu à la cité silencieuse de la mort. Ici, c'est la photo où mon père a été brûlé. Il a vu le... Il sortait de Saint-Pierre et il allait donner à manger et à boire à ses animaux qui étaient au Morne Rouge. Et là, on voyait beaucoup de sang, il y avait 1 mètre de sang dans les rues. Et alors, les animaux ici, au Morne Rouge, n'avaient pas de quoi boire, ne pouvaient pas boire, manger. Alors, monsieur Lasse et mon père montaient de temps en temps porter pour les animaux. Et alors, ils ont vu le nuage arriver sur eux. Mais la voiture a été renversée, les chevaux et le cocher sont morts, et eux, eh bien, ils sont restés là avec la voiture sur la tête, quoi. On m'a dit qu'il n'avait pas perdu ses yeux, parce que la peau du corps était revenue sur ses yeux. Et ils ont été transportés à Trinité. Et c'est là que mon père nous disait, pendant 6 mois, ils sont restés enveloppés dans des feuilles de banane et de l'huile. Parce qu'on ne pouvait pas mettre des vêtements sur eux, puisqu'ils étaient brûlés de partout. Eh bien, ils ont réussi à survivre. Alors, il aimait Saint-Pierre, et c'est là qu'il voulait finir ses jours. C'est pourquoi il avait acheté une petite maison là pour finir ses jours là. Après la catastrophe, un courant international de solidarité vient au secours des Martiniquais. Mais c'est aussi le temps des questions sur les responsabilités. Celle du gouverneur, qui aurait dû faire évacuer la ville. Celle de la commission, qui a rassuré la population. Ce débat est notamment relancé par Fernand Clerc dans une interview au journal parisien Le Journal. Cherchez toutes les explications que vous voudrez, moi je ne sors pas de là. On a reçu des avis de danger, on les a cachés. Je suis persuadé que si l'on n'avait pas voulu à tout prix rassurer la population, des milliers de personnes n'eussent point péri. On dit que nulle science humaine ne pouvait prévoir le cataclysme. D'accord, admettons-le. Mais nulle science humaine n'était capable d'affirmer qu'il n'y avait pas de danger, comme cela fut fait. Après une période d'accalmie de quelques semaines, des phénomènes signalent qu'une explosion majeure se prépare. Alfred Lacroix, professeur de minéralogie au Muséum d'histoire naturelle de Paris, arrive alors pour étudier l'éruption et conseiller les autorités. Ce scientifique de haut niveau est le véritable fondateur de la science volcanologique. Au cours du mois d'août, avec les élus locaux, il alerte le gouverneur du danger d'une nouvelle éruption. Mais le gouverneur, nouvellement nommé, ne tient pas compte de cet avertissement et le 30 août, une nuée ardente ravage la commune du Morne Rouge. Une partie seulement de la population peut s'enfuir. Il y a 1300 morts, dont le père Marie, et de nombreux blessés. En 1902 donc, après la destruction de Saint-Pierre,
les autorités pourtant alertées par le professeur Lacroix n'ont pas su tirer les leçons de cette catastrophe. Qu'en serait-il aujourd'hui ? Nous avons travaillé depuis cette époque, tout d'abord en faisant l'étude géologique de ce volcan qui nous a montré l'histoire de la Pelée. Et quand on connaît l'histoire d'un volcan, on connaît son avenir. Ça, c'est très important. Nous sommes un des observatoires les mieux équipés au monde. On n'a rien à envier à nos collègues américains ou japonais. Et nous serons capables, ça c'est, on peut en être absolument certain, de prévoir un réveil du volcan plusieurs mois, voire plusieurs années à l'avance. La montagne Pelée, qui semble inerte lorsqu'on a fait l'ascension, est en fait terriblement vivante. Et ce, pour encore plusieurs centaines de milliers d'années. Elle va faire des centaines d'éruptions souvent dangereuses. Les habitants de Saint-Pierre ont aujourd'hui la chance d'habiter au pied d'un volcan parfaitement bien surveillé. Et le XXe siècle, qui a commencé par la tragédie que l'on connaît, s'est terminé par un succès pour la volcanologie. En effet, lorsque le volcan frère, voisin, semblable de la Soufrière de Montserrat a fait une éruption, 8000 personnes ont été évacuées et sauvées. Mais les habitants de Saint-Pierre doivent savoir que tôt ou tard, eux ou leurs descendants auront évacué la ville qui sera rasée. Mais eux seront sauvés. Nous avons un sentiment de tristesse dans ces ruines, puisque ça, ce sont les stigmates de la catastrophe de 1902. Mais en observant bien ces ruines, nous voyons qu'il y a des bouquets de fleurs, des touffes de fleurs, des plantes fleuries. Donc c'est vivant. À travers les ruines, nous voyons qu'il y a la vie. Donc, il ne faudrait pas que nous restions recroquevillés sur la catastrophe, mais comme ces plantes nous donnent l'exemple, que nous revivions aussi. Que nous fleurissions dans notre cœur, que nous ayons l'espérance pour que nous reconstruisions notre ville. Et nous pourrons prendre un exemple, un témoin de 1902 et qui est toujours là. Là, c'est un témoin en bronze. C'est la statue de Notre-Dame du Bon-Port, aux Vierges des Marins, qui se dresse au sud de la ville sur le Mont d'Orange. En 1902, la nuée ardente la projette sur la plage, au pied de la colline. Elle restera là couchée pendant 20 ans. En 1921, des hommes vigoureux, des hommes d'action, la hissent sur la colline. Ils la remettent debout sur son socle. Aujourd'hui, elle nous dit, vous m'avez replacé debout sur mon socle, bravo! Mais toi, Saint-Pierre, est-ce que tes enfants travaille pour que tu reprennes ta place. Le père Barbier nous dit, les victimes de la montagne Pelée ne nous demandent pas de pleurer sur leurs ossements desséchés et sur les ruines de Saint-Pierre, mais de relever, de continuer l'œuvre qu'ils avaient commencée et réussie. Alors au boulot, tout le monde, ensemble.